Hello la famille, c'est votre artiste Jozon Philosophe, de winner ou vencedor El Caliente et le Mwanantsuka Banzambe. Suivez Top 12 avec Chepi le Français. Comme je le dis toujours, si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est amer. C'est sucré Top 12. Bienvenue dans le Top 12 intéressant, on est très heureux de vous retrouver comme tous les week-ends sur la chaîne des jeunes branchés chez PTV HD. Et aujourd'hui on a un invité exceptionnel, il nous vient fraîchement de Brazzaville. C'est l'un des fervents garants de la rumba congolaise des deux Congos. Et lui vous le connaissez, vous le suivez à la télévision, vous l'écoutez en radio. Il est là avec vous en exclusivité, en direct depuis Paris, il est en studio. Vous avez suivi les images en exclusivité. Et lui on le présente plus, c'est Jozon Philosophe. Bienvenue Jozon Philosophe. Ben bonjour, merci. Ben ouais. C'est moi qui suis content qu'on se retrouve encore à Paris. D'accord. Et comme je le dis toujours, si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est amer. Bien dit. Et donc aujourd'hui, on va parler précisément de ton voyage ici en France et de toute l'actualité qui s'est passée il y a quelques mois déjà à Brazzaville. Et donc, en quelques mots, pour ceux qui te suivent pour la première fois, Jozon le philosophe a commencé la musique quand précisément? Et quels sont les artistes qui t'ont influencé aujourd'hui à devenir artiste? Bon, mais moi j'ai commencé dans un style tradi moderne, suédé qu'on appelle. Donc nous sommes les premiers fervents à amener le suédé à, effectivement à Brazzaville. Parce que c'est un style mango qui venait de Kinshasa. Oui. Et de suédé, on est aligné à la rumba. Et la rumba aujourd'hui, j'ai opté pour un style multicolore. Donc à travers, après mes expériences les pays latino, Cuba, Brésil, j'ai pensé mélanger un peu la rumba parce que c'est à Cuba que j'avais découvert la rumba cubana. D'accord. Mais après, je leur ai dit que nous avons une rumba congolaise. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai eu l'inspiration de composer ce titre Rumba na Piste qui accompagnait l'inscription de la rumba des deux Congos à l'UNESCO. Oui. Donc, c'est pour dire que j'étais visionnaire sans pourtant savoir. Oui. Et aujourd'hui, ce titre a accompagné l'inscription de la rumba. Mais on va en parler. Et aujourd'hui, comme tu as su le dire, tu étais visionnaire. Et qu'est-ce que ça t'a fait le jour que tu as pris cette information que la rumba congolaise aujourd'hui est reconnue au niveau international avec tous les efforts que vous avez fournis toi personnellement avec tous tes collègues artistes et en tant qu'artiste, en tant qu'enfant du Congo, quelle était ta première réaction? Bon, ben, comme je disais que j'étais visionnaire, mais quand on était, il faut dire pas surpris parce qu'il y a eu déjà la campagne d'accord. de l'inscription, mais une fois adopté. D'accord. Le plaisir était pour nous pouvoir qu'aujourd'hui cette rumba, les grands, les Polo Kamba, les Wendo, les Pamelo Muka ont milité, les Luambo Makiadi ont milité. Et nous aujourd'hui on arrive au bon moment que cette rumba est reconnue. Ça veut dire que la rumba juridiquement a un poids maintenant. D'accord. Donc nous pouvons aller de partout défendre la rumba parce que la rumba aujourd'hui a l'acte de naissance. Et donc là on t'a surpris en studio pour la préparation de quelques morceaux, mais nous on est tombé sur le générique déjà. Effectivement. On parle un peu déjà comme ça en exclusivité. C'est un générique qui sort très prochainement et quel est le message que tu passes dans ce nouveau générique? Voilà, donc le générique qui sort incessamment titré Pelissa Moto. Totumba Satana. Donc, c'est dire que. Allume le feu. Qu'on brûle Satan. Effectivement. En quelques mots, mais pourquoi ce message? Pour nous, Satan, c'est celui, qui te haït sans cause. Oui. C'est-à-dire qu'il dit, pour lui, moi, je vais pas voir Chepi. Pourquoi? D'accord. C'est pas la cause. Oui. Donc, nous, on s'est dit, aujourd'hui, là, on va chanter pour dénoncer ce genre de comportement. Oui. Des gens qui veulent pas que la musique congolaise émerge. D'accord. Là, automatiquement, tu es classé dans la liste des Satan. Ouais. C'est bien.
Kenzi, donc gros clin d'œil à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc Jason Philosophe est là avec vous en exclusivité, l'un des garants donc qui protège cette rumba congolaise qu'on aime bien, que vous aimez aussi bien. Et t'as sorti une très belle rumba, oui. Question mark, oui. Qui a très bien marché, qui continue à bien marcher. Très beau clip, oui. Très beau texte. Franchement, on sent que là la rumba a repris ses lettres de noblesse. Et parle un peu de ce titre. Bon, question mark, comme vous entendez, c'est l'interrogation. Donc, ouais. Je me suis questionné sur la question cosmogonique. D'accord. Donc, au lieu, les gens pensaient que la rumba, on chantait que l'amour. Ouais. Mais moi, j'ai pensé cette fois-ci, il y a des thématiques. Oui. J'ai chanté l'origine du monde dans la rumba. Et ça marchait bien de Kinshasa à Brazza et de partout. J'étais d'abord le lancement officiel, c'était à Kinshasa. Et puis, j'ai fait Pointe-Noire à Brazzaville. Donc, un succès vraiment important parce que j'ai compris que les gens avaient soif de la rumba. D'accord. Donc quand j'ai fait rumba na piste, les gens pensaient qu'il y avait ça. Non, mais aujourd'hui, on doit, en dehors des variétés, on doit toujours revenir à la base parce que la rumba est aujourd'hui notre point focal. Basusu pe balobaka mokili ebandaka na moto kasinga na mope perere maloba ya nzambe eya monini tondima o la belle ambiance continue, on est en direct de Paris, hein. Jason Philosophe, on est avec lui en studio, donc là vous suivez quelques extraits, comment l'ambiance se passe au studio, et donc là c'est le mastering du générique. Ouais, et le donc, mixage et master, oui. Ouais, le mixage et mastering, oui. Donc tout a été fait avec ton groupe à Brazzaville. À Brazza, oui, nous avons commencé à Brazza. Dans la logique, on devait normalement, avec tout le groupe, parce que le groupe avait une tournée européenne, d'accord. On devait commencer en Russie et puis faire Paris, Allemagne, Berlin, ouais, un truc à Berlin et puis Bruxelles. Donc, on a un programme, hein. C'est en vue, on va toujours revenir avec tout le groupe ici pour faire un peu tous ces festivals. Parce que là, en ce moment-là, hier j'étais à Angoulême. Angoulême, donc, j'ai participé dit, ouais. À un festival à Angoulême. Là où j'ai fait un spectacle en semi-live. Je crois que vous aurez les images incessamment. Que d'accord. Je profite à saluer notre grand Émile Biainda qui est résident là-bas. Un grand percussionniste qui tourne le monde et qui m'a reçu. Vraiment, j'étais très content de son accueil. Je profite à le faire un coucou, quoi. D'accord. Et donc, depuis le début de ta carrière, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, oui. Jason Philosophe, t'as un nom en ce moment que dans les deux rives et à travers le continent. Oui. Je t'ai vu récemment avec ton manager. Bien sûr. Et aujourd'hui, si on peut dire musicalement, qu'est-ce qui reste à faire à Jason Philosophe? Musicalement, qu'est-ce qui te reste à faire? Un disque d'or? Comme tu as su le dire, il y a la tournée européenne qui est prévue, des grandes salles ici à Paris, parce qu'en ce moment, il y a plein d'artistes qui se sont déjà produits sur le sol français, ou quelques dates aussi en Allemagne peut-être, mais nous, comme on est une colonie française, tout commence à Paris. Qu'est-ce qu'il a de prévu? Voilà, donc mon manager de Dakar, Abdoulaye Sy, donc qui c'est lui qui gère un peu les tournées, la date. D'accord. En harmonie avec Bernadette Galeco qui est à Brazzaville, normalement on devait être avec lui. D'accord. Et Abdoulaye Sy a déjà calé quelques dates, je pense qu'il est en train de finaliser au niveau d'ici. Et comme je disais qu'il y avait déjà une tournée, donc tout fait partie de cette tournée européenne. Donc moi je pense que on ne fait pas parce que l'autre a fait. On vient quand tu sais que tu es programmé. Donc moi dans la musique je ne fais pas pour en fait la compétition doit être loyale. Faut pas être jaloux parce que l'autre s'est produit et tu veux le faire. Non, moi je viens quand le temps est là et tout est programmé, je viendrai faire mes prestations. Quand j'ai fait Afrima, je demeure aujourd'hui le premier musicien congolais à participer aux Afrima au Ghana. Donc, et c'est à l'époque au Congo, c'était tout un mythe. Donc, pour moi, je ne dirais pas que je suis en possession. Tu as fait un pas et les autres vont suivre. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, si je peux le dire en quelques mots, qu'est-ce que toi tu déplores? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la musique congolaise? Qu'est-ce qui fait que la musique congolaise a du mal à avancer comme on devait le faire? Et qu'est-ce qui ne marche pas au fait de la musique congolaise? Bon, ben moi je pense que c'est juste la collaboration. Il manque plus de collaboration entre les artistes. Entre les artistes, oui. D'accord. Et puis encore, même le circuit des managers et des producteurs. Ils d'accord. doivent collaborer, ils entre doivent eux. Travailler en synergie. Ouais. Pour que, vous voyez un peu l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et ailleurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Surtout même l'Afrique anglophone fonctionne en synergie et ça donne une force. La
polémique doit être loyale. D'accord. Hein, en polémique sur le travail et non sur la vie. La vie personnelle. Privée. On parle, bon, cette chanson, ce titre m'a pas plu. Là, moi, si tu me parles, tu me critiques. Il faut argumenter. Ça t'a pas plu. Ouais. Ça, c'est logique. Ouais. Mais au lieu de faire des polémiques qui n'apportent rien et me parler de la vie privée, je pense que c'est insensé. Ouais. D'accord. Donc, la musique congolaise, comme l'a dit Jason Philosophe, qu'il faut essayer de travailler en synergie, que ce soit les artistes, que ce soit les producteurs, les promoteurs culturels. Même les chroniqueurs. Hein, je salue tous mes confrères chroniqueurs qui nous suivent en ce moment. Ouais. Donc, il faut éviter d'avoir des partis pris. Parce qu'en ce moment, il y a un mauvais vent au niveau de Brazzaville et en face à Kinshasa, il y a des partis pris. Donc, ça bloque d'autres artistes d'émerger. Et donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'artistes qui essaie d'émerger dans l'afrobeat. Et quel est ton regard par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que dans les futurs projets de Jason Philosophe, il y a des collaborations avec tes jeunes frères qui font de la musique afrobeat? J'ai toujours prôné sur ce genre de collaboration. Et je pense qu'il faut soutenir les jeunes, parce que nous aussi on a été soutenus. Donc moi je pense que il faut peut-être les encadrer encore. D'accord. Pas l'encadrer parce qu'il y a d'autres qui sont déjà dans le réseau. Mais de leur informer que chanter, faire la musique, il faut avoir une vision de faire comme faisaient les vieux. Ils laissent des textes qui seront éternels. Donc au lieu de faire la chanson juste de l'ambiance des titres momentanés, vraiment thématique, qui va rester de génération en génération. Mais en matière de collaboration, vous avez vu même dans Hola Hola, ce générique que j'avais eu un prix en Colombie. En Colombie, oui. Effectivement, j'avais travaillé avec un jeune rappeur, un tout jeune qui s'est lancé et qu'on voyait, c'est lui. Il y a une partie rap. Jacinthe, que je salue, c'est un jeune qui n'est pas encore connu de façon officielle au Congo, mais qui, dans ses débuts, j'ai pensé que pourquoi pas mettre une touche rap. D'accord. C'est parti, pour moi, je suis ouvert dans ce genre de type de collaboration. Tout le monde va danser au rythme de Jason Philosophe. Ah ouais. Si tu veux prendre la danse, il faut être dans le staff. Everybody must dance with Jason Philosophe. The winner pour vainqueur d'or, il brille comme le comte de l'or. Abdul Jabbar écoute tourner seul devant le micro. Super Colombo, car on s'envole avec l'oiseau. Donc aujourd'hui, dans tes futurs projets, qu'est-ce que Jason Philosophe n'a pas encore fait de la musique qu'il souhaiterait faire dans le futur? Bon, ben vous savez que quand on est encore sur Terre, et on pense toujours à faire grand, à prendre l'exemple de Michael Jackson. Ah, bien dit. Il faut toujours suivre. Je pense que il y a beaucoup de choses. Moi, ma vision, c'est fuir la monotonie. Vous voyez même dans mes titres. Vous voyez même dans le générique. Je touche un style de folk, mais je vais un peu loin, un peu plus loin, dans le quilombo. Oui, parce que quand j'étais au Brésil, j'avais découvert le style Os Quilombos. Et donc effectivement, ça me permet de voyager, de faire un peu, aller à la base et faire vendre notre musique. Un mot pour tous tes fans qui te suivent en ce moment en France, sur internet, à Brazzaville, sur les quatre coins du monde. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport au nouveau projet qui arrive? Un petit mot. Consommer la bande musique, et je veux dire que j'ai beaucoup de titres. Ceux qui n'ont pas eu encore la chance de découvrir, allez sur les réseaux sociaux, tapez carrément Jason Philosophe, vous allez voir que la musique contre la monotonie existe. Donc je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'il faut, on peut faire la musique autrement. D'accord. Hors du commun. On ne peut pas faire comme tout le monde, mais dans le style tout le monde, on ajoute quelque chose. D'accord. Voilà, c'est ça ma vision. D'accord. Et donc on était très heureux de te retrouver. Donc on te laisse te vaquer donc à tes occupations, précisément là t'es en studio. Bien sûr. Et donc tu rentres à Brazzaville dans quelques jours, c'est ça? Oui, je rentre en fin de semaine prochaine. Ouais. Je serai à Brazzaville. Et donc toute l'équipe du Top 12 et chez Pif Français te souhaite un bon voyage. Merci. Et à très bientôt. On t'attend avec tout le groupe pour les spectacles ici. On est en train de venir. Et on va t'accompagner. Et bah les Kaouki, Bangoubouna, Bangando, Bakoumi gentil. Coca moi. À suivre. Bongo Totumba Satana.